Bonjour la team! Eh oui, elle est toujours dans les pattes, la canaillou. Alors, comme je vous ai dit ce matin, donc on se retrouve pour une ouverture de swap. Donc le colis se présente comme ceci, il est juste énorme. Et voilà, pour Betty, parce que comme je vous ai dit, on ne se l'est pas envoyé par la poste. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, il peut se voir toujours dans les pattes. Et en fait, elle m'a rajouté ça aussi avec, alors je trouve ça super mignon. Alors, donc maintenant, je vais vous dire qui c'est. Donc, j'ai fait un swap Mad Homme avec Evancy Scrap. Donc, elle a une chaîne YouTube. Allez voir sa chaîne. Elle fait des tutos. Elle fait des choses super sympas. Enfin, moi, voilà, c'est une personne que voilà, j'adore ses vidéos. Je la suis. Et puis, j'ai vu qu'elle avait fait, en fait, dernièrement, un swap Mad Homme, donc je lui ai demandé si elle voulait en faire un avec moi justement, donc voilà. Et donc on va commencer à ouvrir ça, voilà, en premier. Donc je trouve ça super mignon ce que tu m'as fait là, avec le petit emballage comme ça. Je trouve ça super rigolo, donc pour moi je pense que c'est du papier, mais je sais pas en fait. Ouais. La ficelle, donc voilà, c'est ça en fait, c'est des feuilles de papier, juste énormes, je ne les connais pas du tout. Alors donc on va avoir donc ce papier là, qui est recto verso, vous voyez. Après on a celui-ci, sûrement qui est recto verso aussi, voilà, qui est vert à petit pois à l'arrière. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec ma lumière là, mais après on a celui-ci. Là, celui-là il est blanc derrière. On a celui-ci avec les petits gâteaux. Alors là, je suis obligée de vous montrer en entière celle-là de page. Elle est comme ça en fait. Avec une table, des gâteaux, tout ça. Et avec des banderoles en haut. Après, on a celui-ci avec des petits cœurs et des fleurs. Tu m'en as mis un paquet, celui-là, j'adore, il est trop beau. Avec les petits ronds et rose en plus, j'adore. Et là, t'es parti. Donc, t'es parti, tac. Bah, super, c'est vraiment super, super sympa tout ce que tu m'as mis en feuille 30-30. J'adore, vraiment. Et puis, la façon dont comment tu as fait pour les emballer, vraiment, ouais, j'adore. Merci beaucoup en tout cas pour les feuilles. Je connais pas du tout cette collection, donc je suis ravie. Merci beaucoup en tout cas. Alors, on va ouvrir donc l'énorme paquet qui est là. Donc, j'ai prévu mon ciseau. Je veux pas te couper, t'inquiète. T'as peur? C'est moi que je veux couper, oui. Il est bien emballé. Là, moi, j'ai tout déchiré. Oulala, c'est très joli dedans. C'est très joli dedans. Ah bah oui, c'est très joli, forcément. Il y en a une, elle a capté déjà quelque chose qui était très joli dedans, mais je sais ce que c'est. Ouais. Ça te fait rire. Tu me l'as bien emballé. Le paquet, il est vraiment... Voilà. Alors, je vais essayer de l'ouvrir correctement pour vous montrer en fait comment il est à l'intérieur. Tu m'as... Oh là là. Alors, il est comme ceci à l'intérieur. Tu t'es lâché, Evancy. Waouh. Donc, ma fille, elle trouve très jolie parce qu'à l'intérieur, on a des petits paquets d'M&M's. À la cacahuète. Donc, on est des fans d'M&M's, c'est surtout elle. Donc, tiens. Mais surtout pas papa, papa, elle dit. Alors, donc, on va commencer par. Donc, à l'intérieur, on a une pâte de fruits. On a des bonbons comme ça aussi, Haribo. Oui. Il y en a une qui a des yeux qui sortent des orbites, là. Surtout les bonbons Haribo, c'est ses préférés. Et comment te dire que tu m'as. Alors, on a encore des pâtes de fruits. Et après, tu avais peur que ça ne me plaise pas, mais déjà, rien que ce qu'il y a dessus, tu m'as gavé, quoi.
c'est énorme. Alors là, elle m'a marqué petite babiole en fait. Donc, elle a repris en fait une boîte de chez Action, sûrement vide. Et à l'intérieur, en fait, elle m'a rajouté des petites, comme elle dit, des petites babioles. Qui est des petites babioles qui sont juste énormes. Alors, il y a des petits couverts, je ne sais pas où tu les as trouvés. Regardez, on dirait qu'ils sont en acier avec des petites fourchettes, des couteaux, tout ça. Au milieu, on a des petites vaches qui sont vraiment trop choues. En haut, on a des petits moutons, comme ça. Après, là, il y a des petites étoiles transparentes, comme ceci. En bas, ils sont trop beaux. On a des petits embellissements, donc en bois, là. Et j'ai aperçu un pain d'épices, en fait, à l'intérieur. Ils sont vraiment trop chouettes, quoi. Après, j'ai des petits sequins en forme de boule de Noël. Comment vous mettre ? Là. Et des petites coccinelles comme ça. Mais vraiment top. Merci beaucoup. Je sais pas quoi dire. Ben voilà. Merci beaucoup déjà pour ça. Ça doit être des petites plus. J'espère que le mien te plaira. Autant que le tien, pour l'instant, il me plaît. Alors, là, après... alors. Elle m'a fait une pochette comme ceci. C'est Noël. Ben oui, c'est Noël. Pour le coup, tu m'as... j'en ai des frissons, quoi. Tu m'as... je sais pas quoi dire. Voilà. Ça y est, j'ai... non, je veux pas, merci. Je suis en train de faire la vidéo, je veux pas manger en même temps. Mais... ben, je sais pas quoi dire, voilà. Comme d'hab, voilà, t'as réussi à me couper la chic. Moi qui suis une grosse blablateuse. Donc là, dans cette pochette, c'est Noël. Je vais l'ouvrir avec vous. Ça, j'ai hésité à les prendre à Action. Je les ai trouvés super jolis. C'est des petits gants comme ça, là. Des petites moufles comme ceci. Et celui-là qui est en bois, ça fait des jolis embellissements. J'adore. Et comme ça, il faisait aussi le petit pantalon. Le pantalon était un peu bizarre. Et il y avait aussi le petit pull. Mais ouais, j'avais hésité à les prendre. Je ne les ai pas pris. Je te remercie beaucoup. Comme ça, je les aurai. Je suis super contente. Merci. Elia est en train de kiffer sur ça. Donc, je suppose que c'est pour Elia. Un petit coloriage en fait, c'est un petit coloriage comme ceci avec donc des coloriages bien sûr, et puis on a aussi des petits autocollants à l'intérieur. C'est vraiment super sympa, je te remercie beaucoup, c'est super. Tu peux dire merci. Après, on a un petit pochon comme ça en plastique qui est super joli avec le petit renne et le Père Noël. Vraiment, ils sont stylisés, j'adore. Et ouais, ils sont pas communs, ils font enfantin et vraiment j'adore. Et à l'intérieur, en fait, on a des découpes. Et on a mis au taquet. Tu m'as coupé la chic. Mais des trucs de fou quoi. Regardez celui-là, il est trop beau. Là, c'est des papillons comme ça là, vous voyez. Vraiment super beau. Après on a ça là. C'est des fleurs je pense de pissenlit. Après on a des mots. Je vais pas tout vous sortir parce que j'ai peur que ça s'abîme comme ça quand je vais les sortir. Je vais juste vous sortir. T'as des découpes de fou en fait. Donc là on a Escape. Escapade, je veux dire, je crois que c'est en anglais. Voilà, et on a aussi des flocons de neige comme ça, ils sont vraiment trop beaux, j'adore, vraiment, vraiment, j'adore. Donc, il y en a plein d'autres, mais je vous sors pas tout parce que j'ai peur de les abîmer. Donc, je regarderai plus tard. Et là, on a, j'arrive pas à relire le truc. J'arrive pas, vas-y. Merci beaucoup pour le petit coloriage mini, je l'adore, il est très joli, merci. Ils ont vu mon petit bonnet de Noël. Eh ? Ma petite arête de Noël. Ta petite arête de Noël ? Oui. Vous voyez, donc je vous les ai sortis, maintenant j'ai du mal à les remettre, j'ai peur de les abîmer. J'ai pas envie de les abîmer. Donc voilà, en tout cas, le sachet, il est blindé de découpe. J'adore, encore une fois, merci. J'en suis qu'au début du paquet. Et
et j'en peux plus déjà. Donc là, elle m'a fait des genres de boules de Noël en fait, comme ceci. Ils sont trop beaux. Elle les a colorisés, elle les a. Je sais pas si c'est avec les petites comme ceci là, mais le petit ourson, il est trop joli. Où il y a marqué bien au chaud. Et là, ah oui, t'as mis. Moi, ça, j'en ai pas. Vous savez, les petites gouttelettes comme ça là. Et puis derrière, c'est magie de Noël, comme ceci, avec un petit pingouin. Comme ça. Et trop, trop joli, j'adore. C'est super. Dommage, je n'ai pas trouvé le mot scrap. Excellent. Ben oui, trop chouette. Dommage, ouais. Mais déjà, c'est bien. T'as trouvé sweet. Super, c'est trop cool. Je te remercie. Ça, je l'avais déjà vu, ouais, à Cultura, ce genre de truc-là. Mais moi, j'avais pas vu sweet. Excellent, j'adore. Après, elle m'a fait un petit moulin avant, comme ceci, là, avec une étoile de neige rouge dessus. Après, oui, ça brille. Arrête, voilà, tout ce qui brille, ma fille, elle a fond. Donc, une belle lime à ongles. Mais bon, depuis que j'ai repris le boulot là où je bosse, il n'y a plus grand chose à limer, ça se casse. Mais elle va me servir, c'est sûr, parce que bon, même quand ça casse et qu'ils sont loin, il y en a toujours besoin. Et la violette, comme ça, j'adore, elle est trop belle. Non, c'est après, elle m'a mis plein de petites pailles comme ceci, là, de l'intérieur. Et un petit crayon avec le petit Père Noël là-dessus, qui est vraiment trop chou et trop beau. Tu m'as trop gâtée pour le moment, c'est énorme. Là, après, j'ai ça doit être un petit savon qui sent trop bon. Voilà, comme ceci. Et si on fait... Alors, si je vous fais ça, ça fait le E de Elia. T'as vu? Mais il sent trop bon. Ouais, j'adore. Et c'est pas fini, quoi. C'est un truc de malade. En fait, je vais pas... La vidéo, elle va durer une heure. C'est un truc de fou. Tu m'as blindé le sachet, mais... t'es une eau folle, hein. Ah, ça, c'est ce que tu as fait. J'espère que tout te plaira. Bisous, Bérangère. Et bien sûr, tout me plaît. Alors déjà, rien que la petite poche, là. Là, mais c'est déjà trop, tu vois. Je veux dire, je te dis, j'en ai des frissons. Voilà, quoi. Et ça, en fait, elle a fait un tuto sur sa chaîne. Allez voir. Donc, c'est pour présenter des... souvent, on peut mettre du washi. Ou comme là, on peut mettre aussi des... de la ficelle à offrir dans un happy mail ou quoi, comme ceci, en bobine. Et puis à l'intérieur, en fait, vous marquez le petit mot. Allez voir sur sa chaîne. Donc elle a fait un tuto et j'ai trouvé super sympa en plus cette idée et que je trouvais ça original. Et en fait, ouais, ça rend super bien. J'adore aussi, pareil. Après, on va avoir une petite étoile comme ça ajourée qui est trop trop belle. Toujours pareil. Après, elle m'a mis des petites étiquettes de Noël en petits sachets comme ça. Je ne vais pas tous les ouvrir parce que sinon, je vous dis, la vidéo va durer super longtemps. Et moi, je vais les ouvrir en fait quand j'aurai fini la vidéo. Après, à l'intérieur, on a deux petits embellissements comme ceci en bois. Voilà. Donc là, c'est une boule de Noël. Et là, c'est pareil. Je pense qu'on peut l'accrocher. Non, mais bon. Voilà, ça fait des petits embellissements en bois, ils sont super jolis. Et ça, j'aime bien ces dessins-là, comme ça, psychédéliques un peu. J'adore, c'est super rigolo. Et j'ai un ATC qui est super beau. En fait, elle m'a fait un ATC, mais qui est dans sa petite pochette. Oh, il est dans une petite pochette, comme ça. Trop belle. En même temps, je suis en train de penser, j'ai commandé des pochettes sur AliExpress, ils ne sont jamais arrivés. Alors, je ne sais pas si vous avez des soucis en ce moment avec AliExpress, mais alors moi, c'est une horreur. Mais c'est génial ce que tu as fait. Une petite attention. Donc déjà, en plus, c'est écrit en français. Et donc, l'ATC est dans sa petite pochette. C'est juste énorme. Regardez. T'as un tuto de ça, Bérangère. Tu pourrais nous faire un tuto de ça. C'est excellent. J'adore. Et ton ATC, il est trop beau. La couleur, tout, j'adore, bien sûr. Regardez l'ATC. Il est super joli avec marqué « Ho, ho ». Donc, le titre, c'est « Étoile argentée » et elle a été faite le 20/11/2017 par Evancy Scrap. Voilà. Trop, trop joli. Vraiment, j'adore. C'est super beau. Donc là, ce que tu m'as fait, je m'attends au pire, en fait, à l'intérieur du carton parce que c'est blindé encore.
Et j'ai ma fille qui est en train de fouiner dans le carton. Ah, je regarde. Ouais, je regarde, ouais. Donc, touche pas, j'ouvrirai après ma puce. Et ça, super. Si tu peux nous faire un tuto pour les petits... la petite pochette de... Bon, ça doit pas être compliqué, je pense. Mais ouais, super idée, j'adore. Après, à l'intérieur, on a deux petits sucres d'orge, mes fameux petits sucres d'orge. Que sans... Voilà, il n'y a pas Noël sans sucre d'orge, donc voilà. Tiens. Après, à l'intérieur, il y a un petit washi comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et après, j'ai des onomatopées comme ceci. Je vais y arriver. OMG, boum, lol, love. Ils sont super sympas en blanc, argenté et noir. Voilà tout ce qu'il y avait déjà dans la première pochette. Alors, comment vous dire que... Voilà. On devait se faire 8 paquets. 8 paquets made home, donc que des choses faites maison, donc c'était pas un swap acheté. Donc je lui ai fait aussi des petits bonus achetés, j'espère qu'ils lui plairont et qu'elle les aura pas. Maintenant tu m'as gavé, c'est juste énorme, j'hallucine, je suis trop contente et je sais pas quoi dire en fait. À part merci, 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 je veux dire merci à chaque fois, mais voilà. Déjà, juste cette petite poche-là, comment tu me l'as blindée. Voilà. On va passer au reste avant que je... Je ne vais pas pleurer, mais... Alors, à l'intérieur, Eliade vient de trouver des choses qui sont trop choux. C'est trop mignon. C'est des petits dérouleurs comme ça, à washi. Et je ne sais pas où tu as trouvé ça, mais c'est super pour envoyer dans des happy mail et tout. Donc, celui-là, il est avec des petits sapins, des étoiles. Voilà. Et l'autre, j'en ai deux. Et l'autre, il est avec des petits flocons de neige. Vraiment, ils sont excellents. J'adore. C'est trop, trop mignon, quoi. C'est super. C'est excellent. Alors, après, voilà ce que ma fille avait découvert, qu'elle voulait prendre depuis un petit moment. Un petit paquet de bonbons, comme ça. Des petits crocos. Les petits crocodiles. Merci beaucoup. Et après, j'ai deux petites cartes. Et alors, la carte avec la robe, comment vous dire, qu'elle est juste magnifique. Mais tu t'es gavé, quoi, comme dirait Emma. Alors ça, pareil, si tu peux nous faire un tuto là-dessus. À moins que tu aies un truc pour des coupes spéciales. Et si tu pouvais nous faire un tuto. Je vais te demander plein de tutos, en fait, là. Elle est trop belle. C'est excellent, quoi. Alors, j'ai un petit mot aussi. Oui, on va savoir le savoir-faire, mais déjà, moi, bah, je suis débutante comparée à toi, je pense. Et moi, quelque chose comme ça, pour l'instant, franchement, je sais pas faire du tout, quoi. Pour ça, je te demanderai un tuto parce que super chouette, vraiment. Et là, donc, j'ai une autre carte. Et là, en fait, c'est le menu. Alors, elle m'a carrément marqué menu. Et là, il y a marqué à l'intérieur, énorme, accroché derrière avec une petite épingle. Et un petit sapin. Voilà. Et donc là, énorme. Eh mais t'as fait un truc de fou. J'ai pas honte de ce que je t'ai envoyé, mais moi, c'est plus basique, quoi. C'est un truc de fou. Alors voilà le menu, comment il se compose. En espérant que tu te régaleras avec ce menu, mitonné avec plaisir. Alors, bien sûr que là, déjà... Bon, je vais faire pause, il y a mon téléphone. Me revoilà, bon vous n'avez rien vu. Bon, j'en étais en fait au menu. Donc il se présente comme ceci. Elle m'a fait des petits... Mais c'est une très très bonne idée. En fait, sur une petite carte, elle m'a mis des numéros comme ça. Et donc il faut que je cherche le numéro. Et avec dessus les descriptions de ce que c'est. Juste énorme. Franchement, je viens de lui envoyer en même temps un message sur Facebook en lui disant qu'elle était folle, qu'elle m'avait... Déjà, j'avais pas fini. J'étais juste au début et qu'elle m'a trop gavée. Alors, elle m'a mis aussi ces petits embellissements à gratter, vous savez, de chez Action, comme ceci. Ça sert toujours pour mettre dans un coin, voilà. Super mignon, j'adore. Je te remercie beaucoup. Alors là, on va passer en fait donc au swap made home proprement dit. Je vais y arriver. Ton papier est super joli.
Vraiment, j'adore. Donc là, je vais chercher donc le numéro 1. En faisant attention. Ça, c'est le 4. Et tu m'as super tout bien emballé. Alors, regardez le papier. Il est joli. Il est trop beau. Tu m'as fait perdre les mots, quoi. C'est Bérangère, c'est fou. Alors, le numéro 1. Donc, pour ne rien oublier. Donc, pour ne rien oublier. Tu m'as fait ça trop bien, quoi. Du bolduc. Des petits embellissements en bois où tu as mis les numéros. Enfin, c'est juste énorme. J'en ai la chair de poule. Et puis tout à l'heure, ces échanges-là, ça, parce que je ne sais pas comment vous dire que ça me... Waouh, trop beau. Le papier est trop beau. Ben, c'est pas le même papier que... C'est le même papier que toi, Anne-Anne, que tu m'avais mis, je crois, dans le Happy Mail qu'on avait fait, que je t'avais demandé où tu l'avais acheté, d'ailleurs. Il est trop beau, ce papier. J'adore. Voilà. Alors, donc, ça se présente donc avec une petite cordelette, comme ceci. Et là, on ouvre. Donc, je l'ouvre avec vous. Hein. Je ne l'ai pas vu. Oh, il est trop, trop joli. Tu sais que je voulais t'en faire un. J'avais regardé un tuto. C'est pas tout à fait comme ça que je voulais faire, mais il est trop joli, quoi. Donc, là, elle a marqué note. Trop chouette. Elle a fait, en fait, une petite couverture, comme ça. Enfin, elle a mis sur la... Elle a décoré la petite couverture des sticky notes qui sont après comme ceci. Et à côté, donc il y a des petits tags ici qui sont faits. Vraiment, c'est super joli, j'adore. Alors après, c'est clair, tu me disais dans ton mot qu'on va voir en fait comment on travaille l'une et l'autre. Là, moi, je ne suis vraiment pas du tout à ton niveau, c'est clair. Voilà, j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre au niveau du scrap en tant que débutante. Mais c'est vraiment trop sympa, quoi, ce que tu m'as fait. Elle m'a un peu vieilli le papier en faisant en mettant de l'encre et tout ça, quoi. Et vraiment, vraiment j'adore. Super beau. Merci beaucoup. J'adore. Je crois que ma chienne a vu un chat et elle s'est excitée au niveau de la fenêtre. Je pense. Non, mais pose-le, Elia. Tu vas pas le tenir, Elia qui cherche les paquets. Donc voilà le numéro 1. Donc le numéro 2, je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Tu y mettras peut-être de jolies serviettes. Alors, le numéro 2, il se présente comme ceci. Un sèche-linge. Un sèche-linge. On a déjà vu un sèche-linge. Alors, toujours pareil, bien emballé, le bolduc, le petit embellissement avec le numéro. Vraiment, c'est... tu t'es vraiment donné du mal jusqu'au bout, quoi. J'espère vraiment que le mien va te plaire. C'est toujours la hantise. Ah ouais, c'est chouette. En fait, elle a fait des petits ronds à serviettes comme ceci là. Regardez. Et d'ailleurs, elle m'a mis des serviettes. Donc j'en ai 4 comme ça. Alors il y en a un avec un petit cœur. Ah mais c'est un petit bouton carrément que tu m'as mis dessus. C'est génial. Donc après, il y a le petit Père Noël comme ça. Ben non, un petit Père Noël et j'en ai 4 comme ça et le petit cœur, c'est vraiment excellent, j'adore, super chou. Surtout, ah ouais, mais super, trop. C'est excellent ton truc, j'adore, c'est génial, merci beaucoup. Le 3 il est trop rigolo, c'est super sympa. Ah ouais, et ben vraiment j'aime bien, ouais, merci beaucoup, j'adore. c'est super chouette. Ça me fait encore. Alors après, le numéro 3. Alors, faut que je cherche aussi parce que vous voyez, en plus, elle m'a tout mélangé. Ça fait comme un calendrier de l'avant. Gourmande ou pas? Oui, gourmande. Mais j'essaye de. Voilà. de calmer le jeu parce que sinon, après, ça va tout dans les fesses. Donc, c'est en forme de petit bonbon, de papillote, comme dirait Elia. Donc, gourmande. Oui, je le suis. D'ailleurs, j'ai passé le virus à ma fille qui l'est aussi beaucoup. Alors. Oula. Oula. Elle m'a fait plein de petites boîtes comme ceci. Et juste énorme ce que tu m'as fait. Et j'ose même pas les ouvrir en fait. Donc là, elle a marqué donc Noël de rêve. T'as des mots en français, c'est super génial en fait. Donc là, il y a des petites boîtes comme ceci. Il y en a une comme ça, avec les petits nœuds. Encore une autre comme ça. Alors je suppose qu'à l'intérieur, il y a des petits chocolats ou des petits bonbons en fait.
Et je vais t'avouer que j'ose pas on va en ouvrir une, ma puce. Tu veux voir laquelle couleur? Comme tu veux. Celle-là? Comme tu veux. Donc je vais en ouvrir une, mais j'ose pas, franchement, c'est tellement bien fait, même tes nœuds et tout, ils sont vraiment. Mais Voilà, regarde, tout est bien là, fait quoi. comme ça, tu peux. Non, ça se coupe pas comme ça justement, ma puce. Faut Ah. ouvrir. Donc c'est des petites boîtes, alors en nous, ça c'est excellent, mais c'est mortel. Fais des tutos sans déconner. Bah oui. Et dedans, il y a des petits chocobons dans celui-ci. Et en fait, elle a tamponné à magie de Noël. Mais c'est juste énorme quand t'as fait ça, toi. Et là, pareil, ça se ferme comme ça. Excellent. Merci beaucoup. Ah, j'adore. J'aimerais trop savoir faire autant de choses que vous, comme ça, là. Vraiment. On tarde d'être à un niveau supérieur pour pouvoir faire. Autant de choses. J'espère vraiment que mes petites choses vont te plaire aussi que j'ai faites. En tout cas, je les ai fait pareil avec amour, mais je suis pas à ton niveau. Donc, du coup, ça me stresse un peu. Alors, le numéro 4, en trois lettres et qui commence par un T. Alors, en trois lettres. Donc, voici le petit paquet et qui commence par un T. Bah, thé. Du Avec thé. du thé? Non, du thé. Bah, qui commence par un thé. Ah oui, du thé. Donc, une boîte à thé, un rangement à thé. Parce que je sais qu'il existe des petites pochettes Pour le thé. pour offrir le thé. Donc, Là, on en est au 4 et 5. alors. Oui, le 5. C'est ça. Je les ai vus, ces trucs-là, sur des tutos. Et c'est juste super beau pour offrir. C'est ça. Je pense. Ah non, même pas. Tag! N'importe quoi, c'est pas du thé, c'est des tags. Ils sont trop beaux. Ah, c'est une bonne idée. Elle a coupé des pailles en fait. C'est une super bonne idée ça. Ah, ça fait des petits rondins comme ça. Alors on a celui-ci qui est juste super beau avec les petites pailles comme ça. Ah ouais, c'est une super bonne idée ça. Après, on a celui-là qui est juste. Tes petits embellissements, ils sont trop chouettes, j'adore. Comme ça. Après, on a celui-ci. T'as du super beau papier. Hein. Vraiment, ton papier, il envoie. Voilà, ben voyez, genre ça pour Noël, à travailler, ou même les couleurs comme ça, c'est pas comme les blocs de chez Action. Les couleurs là, elles sont moins vives, elles sont plus jolies, moi je trouve. Là, ça me dérangerait moins de travailler ça, vous voyez. Et celui-ci avec le petit oiseau là qui est trop rigolo, il me fait trop rire avec un livre. Et ils sont super beaux, j'adore. Et même tag ou même celui-là, on peut s'en servir, tu sais quoi, de même de. Ah mince, parce que j'ai dit livre. Ah, Elias, qu'on met dans les livres pour un Marque-page. marque-page. Heureusement qu'il y a ma fille parce que sinon. Je te remercie beaucoup, ils sont trop beaux, j'adore, j'adore. Et vraiment, je kiffe. Là, je kiffe tout. Alors, tu avais peur que ça ne me plaise pas, mais putain, c'est moi que j'ai peur là. Je suis en mode stress. Alors, on en a besoin en cuisine pour le numéro 5. Alors, on en a besoin en cuisine. Une Donc, planche à il se découper. présente comme ceci. Une planche à découper. Donc, Elia dit une planche à découper. Moi, je dis franchement, je ne sais pas du tout. Donc, toujours le petit embellissement avec le numéro. Il faut que je me dépêche parce que ça va pas tarder à être l'heure d'aller à l'école. Ouais, regarde bébé, c'est pour faire les gâteaux de Noël. Tu voulais en faire en plus. Super. Ah mais je te remercie, Lia voulait en faire. On a des emporte-pièces, mais pas comme ça. Au moins là, tu déroules la pâte directement. Et pim, tu mets ça dessus et tu les as tous. Oh, c'est super. Merci beaucoup. Ben, Il y tu a même vois. un sucre d'orge. Eh bien, écoute, on va faire des sablés avec. Et les sablés, ben, on vous les montrera en photo sur le groupe Facebook. Je vais faire les sablés avec Elia sur ça. Et bien, je te remercie beaucoup. Et alors, attendez, c'est pas fini. Elle m'a fait un album à table Noël. Donc, elle m'a fait un album comme ceci. Avec des recettes dedans. À consommer. Biscuits de Noël. Et elle nous a mis la recette en fait à l'intérieur. C'est juste excellent. Elle a mis la recette, bébé. Regarde, donc c'est bon.
elle a mis la recette à l'intérieur. Donc en fait, c'est un album pour que je puisse y mettre en fait sûrement ben, des recettes. C'est super. Franchement, ben j'ai pas de mots. Ça fait du bruit. J'ai pas de mots. Comment te dire que j'ai pas de mots? C'est trop, c'est voilà, c'est top. J'adore, j'adore. C'est trop bien. C'est juste super quoi. Tu nous mets le truc et tu nous mets la recette avec. Vraiment, voilà. J'ai pas de mots. À part merci. Alors là, on en est au numéro 6. Donc le numéro 6, c'est pour y mettre. Ah, là on parle de thé, pour y mettre ton thé. Alors une boîte, je suppose. Donc le numéro 6 se présente comme ceci, avec la petite cloche là où il y a marqué numéro 6. Et il y a dit que ça fait du bruit. Donc moi, je pense à une boîte Une machine à thé. pour mettre le thé, puisque. Mais Une non, machine pas à une thé. machine à thé, c'est des choses qu'on fabrique nous-mêmes. Je sens le truc de fou déjà. Ça y est, là je me sens toute petite à comparer à toi. Voilà, c'est juste. Mais ouais, c'est juste énorme. Mais en plus, tu m'as mis du thé dedans. Alors, comment vous dire que. Voilà, donc c'est une petite boîte comme ceci. Donc, je vais pouvoir y mettre tous les thés que j'ai reçus dans les calendriers d'avant et tout. Ben, là, tu sais quoi, ça va aller dans ma cuisine directe. Je te remercie beaucoup. Et à l'intérieur, elle m'a mis donc du après-repas. Ça, c'est bien quand on a du mal à digérer. Et là, je sens le thé à la menthe qu'on aime bien. Ah, impeccable. Voilà. Du thé à la menthe. Super. Ben, écoute, Bérangère, je ne sais pas quoi te dire à part merci. C'est juste énorme. Et l'idée, comme ça, elle est trop bien en fait. Tu as fait un tuto là aussi? La fille qui réclame des tutos. Tu as fait un tuto aussi là-dessus. Fais-nous des tutos. Fais-nous des tutos, s'il te plaît. Ah ouais, mais grave. Merci beaucoup. J'adore, 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 j'adore. Franchement, ce swap. Et en fait, de découvrir des swaps où on a fait tout main. Ben, ça nous change en fait des swaps achetés. Et vraiment, ce concept, il est vraiment trop bien. Et je pense que je vais le reprendre avec quelqu'un aussi qui voudra en faire un. Parce que vraiment, c'est top. Parce qu'on se casse le dos quand même à faire des choses, à essayer de les faire bien. Pour l'autre personne, et moi j'espère vraiment que ce que je t'ai fait, ça va te plaire vraiment. Donc là, on en est au 7. Tu l'as déjà, mais sous une autre forme de créamélane. Alors, je l'ai déjà. Donc, le 7 de créamélane, m'a fait quoi? Créamélane, créamélane m'a fait tellement de choses aussi dans son appli mail la dernière fois, et aussi grand. Alors, désolée pour le bruit de l'emballage, hein, mais après c'est un swap, c'est une ouverture de courrier. Je sais que. Alors attendez, je sens le truc de fou encore. Donc là, pour l'instant, c'est juste comme ça. Donc on va ouvrir ensemble. Et oui, je l'ai, mais vraiment sous une autre forme. C'est excellent. Et C'est quoi? c'est super facile à faire en plus. C'est quoi? Mais ouais, c'est trop bien, ton idée, elle est trop bonne. En fait, pour mettre les anniversaires, on l'accroche au mur. Et c'est trop simple à faire en plus que tu m'as fait là. Et on n'y pense pas. C'est génial. Donc oui, Créamélane m'a envoyé un petit carnet pour y mettre les dates d'anniversaire dans mon happy mail. Et en fait, là, elle m'a fait sur une page 30-30 comme ça, cartonnée, avec un petit ruban et des petites épingles, et avec tous les mois. Donc on l'accroche au mur et on a juste à écrire en fait les noms des anniversaires avec les petites dates. Franchement, terrible. C'est génial, j'adore. L'idée, elle est trop bien en fait. Et Elia, elle est où Elia? Elle est en quel mois Elia? Où? C'est quoi le mois? Février. Février. Fin de février. Mais super, franchement, j'adore. Mais c'est terrible. Il faut y penser quoi. Putain, c'est génial. Ben, merci. C'est quoi? Il va aller, il va être là. J'avais acheté Patafix et tout, et direct, il va aller au-dessus de la scrap room. Donc voilà pour ça, j'adore. Encore. Voilà. Et là, en fait, on passe au dernier, au numéro 8. Non, il y a le 9 aussi. Il y a un 9? Normalement, c'était 8. Là. Bon, elle m'a gâtée. Alors, immortalise un joli moment. Alors, immortalise un joli moment. Il se présente comme ceci. Avec le petit ange comme ça où il y a le numéro 8. Tu vas mettre tes chaussures comme ça va pas tarder de tomber.
Donc, j'essaie de me dépêcher parce que ça va être l'heure de partir à l'école. Et j'aurais pas cru que ça allait être aussi long. Ça fait déjà 34 minutes que je suis avec vous. Oh, il est beau, je sais pas où tu l'as eu, mais il est trop beau. Ensemble. Putain, tu l'as eu où le cœur comme ça? Il est trop beau. Alors, il est comme ça en fait à l'arrière. Et je vous le montre ou je vous le montre pas? Je sais pas si je vous le montre pas. Tadam! C'est super joli, j'adore. T'accroches et là tu mets une photo. Et là je sais de qui je vais être la photo. Une photo de nous deux, ouais, de toi, la photo d'école. Merci, ben là c'est pareil, ça va être accroché en fait dans ma scrap room avec une photo de ma poussinette dessus, ou de moi et elle. Et vraiment il est super beau, c'est génial. Je sais pas comment tu l'as fait le cœur. Je sais pas si tu l'as eu, mais vraiment il est top quoi. Et l'idée encore une fois est super. Voilà, il ne faut pas grand-chose en fait. Et t'as des super bonnes idées. Franchement, bravo. Je suis sur le cul. C'est désolé. Donc normalement, on a fini. Ah non, 9. On avait dit 8. Pour embellir ton album. Donc voilà, il y a un 9. On avait dit 8. T'as triché là. T'as triché. Alors déjà, c'est une petite boîte qu'elle a fait elle-même, comme ceci là. Donc super chouette. Et moi, ah oui, on peut faire. Alors, je vais pas tout vous sortir. En fait, c'est il y a des embellissements à foison. Et donc il y a des petits raies, mais ils sont super beaux. C'est toi qui les as fait. Elle m'a fait des petits embellissements en fait à la maison quoi. Putain, c'est juste énorme. Vous allez rien voir avec la lumière quoi. Alors attendez. Je vous sors pas tout parce que voilà, j'aurai pas le temps. Mais voilà, pour vous montrer en fait. Voilà, elle a fait en fait elle-même des petits embellissements. Et c'est juste énorme. Parce que tu as dû quand même prendre un temps fou à faire ça. À l'intérieur, elle m'a mis des petites étoiles comme ceci là. Après, j'ai un petit embellissement comme ça qui est super mignon, j'adore en famille. Celui-là il est trop beau. Après j'ai un petit magie de Noël comme ça. Alors attendez, parce que là hop, j'avais un truc sous le sapin. Je vous montre pas tout, mais en fait je vous montre tout parce que il faut que je vous montre en fait, c'est obligé parce que voilà. Celui-ci aussi qui est super beau. Et puis après, à l'intérieur, en fait, j'ai toutes les petites étoiles comme ceci, là. Voilà. Bah, écoute, comment te dire que j'adore ton swap. Tu croyais que j'allais pas l'aimer, mais vraiment, il y a encore des trucs. Il y a encore des trucs au fond du carton. Quand il y en a plus, il y en a encore. Tu m'as trop gâté. J'espère vraiment que mon swap va te plaire de ce que je t'ai fait aussi. Donc après j'ai mis aussi pas mal de... Après ça n'a rien à voir avec ce que tu m'as fait. C'est complètement deux mondes différents comme tu dis. Et bon, toi t'es pas novice, ça se voit par rapport à moi. À l'intérieur il y a des petites serviettes comme ça avec un petit ourson qui est vraiment mais trop chou. J'adore, il est trop beau. Je l'ai déjà vu celui-là dans un tamponnage ou quoi et j'ai vraiment trop kiffé. Et après il y a des serviettes aussi au fond du carton comme ceci là. Voilà. Et bien, le carton est fini. Enfin, le carton. J'ai tout vidé le swap, en fait. Et les rangères, donc alias Evency Scrap. Je vous mettrai de toute façon son nom en titre de vidéo. Donc, c'est sa chaîne YouTube. Donc, allez voir ce qu'elle fait. Elle fait des choses super belles. Moi, je veux, Bérangère, tu me fasses des tutos, de la boîte à thé, de la petite pochette de la TC, de plein de trucs là, de la petite robe comme ça. Qui, mais vraiment, c'est trop beau. J'adore. C'est super génial, ça. J'adore. Je voulais te remercier beaucoup, beaucoup. Je suis ravie d'avoir fait ce swap avec toi. Il me tarde de voir la vidéo de l'ouverture de mon swap. J'espère vraiment qu'il te plaira. Là, je suis en mode stress parce que tu m'as fait des choses. Mais trop belle, tu m'as coupé la chic, vraiment. Là, le truc de cuisine, tu nous as mis la recette à l'intérieur, c'est juste trop bien. Je te dis, dès qu'on fait les petits gâteaux, ou soit on les fera en vidéo, en vlog, ou je verrai, je les mettrai sur le groupe Facebook sinon.
Et je ne sais pas encore. Et puis donc voilà. Donc là, je vais aller amener la petite à l'école parce qu'on est grave à la bourre. Et sur ce, je vous fais des gros bisous à la team. Et puis merci, 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 merci beaucoup Bérangère. Je te fais des gros bisous et ravie d'avoir fait cet échange avec toi. Sur ce, la team, ciao et scrapez bien.